Mets la sardine. Tu mets aussi la peau. Tu vois la sardine et la peau là. Oui. La peau est bien cuite, non? Mais ok. Tu doutes. Chaque jour tu viens, tu manges ici, mais chaque fois tu es en train de manger. La dernière fois ta carotte n'était pas cuite. Tu m'as donné la carotte, c'était pas cuite. Elle n'était pas cuite, mais tu es revenu. Hey, vous aimez saboter le travail des autres ici dehors. C'est parce que tu es habitué. Pardon, laisse. Ouais. Tu es habitué. Je suis un fidèle. Mais c'était pas bon. C'était pas bon, tu es revenu. Vous aimez ça. Vraiment. Pardon, sauce bien. Regarde, mets la sauce, non? Mets la sauce. Mets la sauce de la sardine, mets la sauce de la sardine, non. Je mets encore une pierre et puis tu n'exagères pas. Deux. C'est le cadeau, c'est que tu es mon meilleur client. Hein. J'ajoute encore. Et c'est de bonne humeur aujourd'hui. C'est la quoi, là? Tu es mon premier client, c'est le client de la chance. De l'argent. Comment? On va comment? Voilà ma tontine, c'est Dima, papa. On va cotiser avec quoi? Ah ah! Tu crois que quoi? Quand tu viens là, d'autres viennent aussi. Ça paye. Si tu mets l'autre pot là, c'est moi qui paye. Hein. Ah ah! J'ai dit deux pots. Pardon, j'enlève. J'ai dit deux pots. Pardon, hein? Si tu mets trois, je paye pas. Pourquoi que mon commerce tombe à cause de toi? C'est comment alors? Les nouvelles disent quoi? Deux mois. Tu ne sais même pas ce que les gens disent de toi. Non, donne-moi. Oh, tu sais, donne-moi un peu, non? C'est quoi? Je demandais seulement, non? Tu ne sais même pas ce que les gens disent de toi ici au quartier. Hein? Les gens sont étonnés que. Donc, ce n'est qu'avec le pain haricot aussi que tu fais de ton tune quand on en fait à la Nero. Ça les regarde. Tu es toujours dans le quartier, tu te bavais les choses, les gens. Continue à me poser les questions, moi j'avance. vraiment. Tu me fais rire. Tu n'aimes pas beaucoup mieux, hein? Mais ça va. C'est comment? Ça va. Tu donnes 200, tu veux que je mette pour 1000 francs. Tu vends la carotte. C'est ça. Tu vends la carotte. Vends. Tu dois même prévoir l'eau. Je dis qu'elle vend tout. Oui, on prévoit l'eau pour okay. Quoi? Oh, ma tata, tu bats. C'est comment? Mais attends. Demande, on s'est vu hier là-bas, tu as ta billette, mais la billette passée, à ce moment-là, petite billette là, tu as refusé. Mais dis-moi, pourquoi hier tu n'as pas vendu? Mais nous, c'est déjà fini. Ouais. C'est comment je mange, hein? 10 heures, c'est fini. Je suis parti sur le Magida chercher le pain. Il n'y avait plus rien. Fermé. Il y a encore le pain, non? Oui, il y a la peau. Tu as la sardine. Il y a les carottes aussi. Le haricot. Je veux un pain entier. Avec quoi? Il y a le haricot. Ça, c'est la peau. Il y a la peau. Le haricot. Il y a le haricot. Il y a même la sardine. Non, mais il ne mange pas la sardine. Ah, ok. Bon, mets-moi deux pots. Charge comme d'habitude, pardon. Je charge. Ouais. Et voilà. Tu vois, quand tu arrives le matin comme ça, tu prends comme tu as pris là. Voilà, les gens ne voient pas. Tu as vu le yaga. Oui. Toi, tu que. C'est moi, tu fais la tiens. Tu attires les gens, rien qu'avec la fille yaga. Tu mets deux pots. Il ne faut pas danser avec moi. Non, change ça. Ça, c'est. Ouais, tu une petite peau comme ça. Vous aussi, vous entrez dans ta maison, tu entres dans les mamies déjà. Un homme qui entre dans les mamies pour choisir les pots, moi, il n'ai jamais vu ça. Pardon, on va seulement ça avec toi. Chaque fois que tu viens, tu viens entrer dans la mamie pour choisir les pots. Dans ta maison, c'est toi qui choisis les morceaux de viande. Ah, attends, ouais, j'ai fait une erreur. Il y a le haricot. Voilà, mets-moi le haricot, pardon. De combien? 100% 50. Haricot de 50. Oui. Ça va seulement prendre un côté. Ouais, ma, c'est toi qui manges. Ok. Ça va. Tu mets l'huile, pardon. Ouais. On charge dans le pain avec l'huile. Le client est roi. Hein. Je vais perdre l'appétit à la tiba. Oh, okay. Toi aussi. Ça va, demande le pain de 5 ans, les graines. Donc, tu vas diviser toi-même les graines là comme ça. Comme ça. Mets-le. Il fallait prendre le pain avec l'huile une fois que tu sors. Toi aussi, tu déranges. Vous dérangez. Bon, le piment, ça va. C'est pour acheter les billets de 1000 francs, 2000. Le piment. Maintenant, j'ai un petit pain. Petit pain. C'est comment alors ma personne? Le piment, tu mets beaucoup. Le cadeau, c'est toujours le piment. Tu es venu là et crois même que c'est comme d'habitude. Tu arrives là, tu ouvres mes mamies. Comme ça que vous êtes. Il y a le plastique, mais tu mets. Et que toi, tu fouilles tout. Tu n'as pas emballé mon pote. C'est toi qui ouvres les mamies, c'est toi qui changes. C'est toi qui même, ça devient le problème. C'est toi qui prends le haricot de 50, c'est toi qui cherches. Mamie, alors, tu as trop bavardé. Moi, les plastiques, moi, je donne les plastiques aux gens qui mangent, qui se prennent beaucoup. Normalement, ils devaient manger. Mais tellement tu as bavardé. Le haricot de 50, tu prends le plastique. Tu dois tenir avec le papier. Bon, je reviens te payer. Non. Pardon. Non, je dis que non, donne les 5 000. Je vais chercher la monnaie, tu vas venir prendre après.
Quand tu vas revenir, tu vas trouver que j'ai déjà changé. Donc, on a rien qu'à ici. Toi là, tu es devenu, tu as trop changé. Je vais te donner. Tu as trop changé. Maman. Merci. Bye, hein. On se voit au quartier. Bon appétit alors. Merci beaucoup. La prochaine fois, je vais t'ajouter encore une peau. Je vais te donner le cadeau. Tu vas le prendre combien? Il dit que tu m'as bloqué pourquoi? Ah. Tu m'as bloqué pourquoi? Tu demandes à quelqu'un pourquoi il te bloque sur son téléphone. Mais c'est mon téléphone. Donc, c'est dit que ton alcool n'est pas cuit. J'ai mal fait, c'est faux. Mon alcool n'est pas cuit. Tu as vu? C'est faux. Tu es... Oh, trouble d'appétit, hein? Ça te dérange. Il faut partir. Oh. Pardon, va avec la malchance. Ouais. Je ne veux pas. Pardon, pardon, va avec ça. C'est mon téléphone, maman. Je bloque qui je veux. Si tu n'es pas venu acheter le pain, la sardine. Hey. Pardon, il faut partir. Non, mais là, quand tu la vérité, oh, ton. J'ai dit qu'il faut partir. Tu as bien aimé ton piment. Ne viens plus alors. Ne viens, c'est comment hein? Quelqu'un te bloque sur ton téléphone, tu viens te plaindre. Tu viens encore. Tu vas regarder ça. Le respect est mutuel. Comme tu m'as bloqué, moi, je te bloque. Tu insultes mon commerce devant les autres. Comme clients. Comme tu m'as bloqué, moi, je te bloque. Maman, tu me sens. Il y a les gens qui t'appellent la marchande le matin, tu ne sais même pas. Elle n'a même pas l'argent, elle est en train de prendre le crédit ici. Ouais, laisse ça. Tu sais que ta nourriture est horoscope, non? Hey. Il y a des jours, c'est bon, les jours, c'est pas bon, mais aujourd'hui, tu as bien dormi. Malchance. Mais tu es toujours là. Fais-moi encore un peu. Et tu manges le. Non, non, mais tu as mangé le pain horoscope. Fais-moi un peu encore, comme ça. Même chose. Hein? Atiba, tu mets quoi dans ton truc ici là pour que nous on est là, on insulte, on est toujours là, on revient toujours. Vous avez trop le Congo, ça doit pas. Tu viens parce que tu fais le remède. Je dis que je ne peux pas bien. Il ne faut pas amener. Comme ça que vous gâtez les noms le marché des gens ici dehors. Vous connaissez une autre qui me détruit. Non, 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 j'ai dit que non. Je ne veux pas le genre de commentaire là ici là. Attends, mais monsieur, tu veux manger toi? Tu as des clients. Akeba, c'est quoi? C'est là-dedans, j'ai que le problème. Tu as le problème? Mm-hmm. C'est que je suis tensionné d'abord contre toi, ouais, mal. Laisse un peu, j'ai la cotisation de toi. Tu veux quoi? Tu es trop nerveux. Tu veux quoi? Oh. So, quand tu arrives, moi j'espère que tu as l'argent, hein. Parce que je te connais. Ouais, pardon. On te connaît. J'espère que tu as l'argent, parce que vraiment, non. Je suis responsable, hein. Tu me dis ça chaque jour. Je mange dans les grands milieux. Chaque temps. Ah, c'est moi. C'est-à-dire que chaque temps, c'est la même chose. C'est le même discours. Oui, parce que. Voilà, on commence à payer, c'est quoi? On prend ta réputation ici. Tu veux quoi? Il bouffe. Ouais. Tu veux quoi? Tu engueules mes clients. Tu veux quoi? Tu connais tout ce que j'ai souvent. C'est que tu prends sur demande-moi un peu. Attends, j'ai déjà préparé. Mais les gésiers. Tu as les boyaux. Il n'y a pas les gésiers ici. Les boyaux, ça, c'est les pots. Hey. Les boyaux, mais. Tu achètes seulement, tu connais les noms. Les boyaux. C'est 200. Ah, tu vas mettre les boyaux. J'ai dit que c'est 200, tu veux combien? Oh. Quand mes gars baissent un peu. Tu veux combien? Ouais. Donne-moi toi. J'espère que tu as 200. Hey, on se connaît. Ce milliardaire, bientôt serait militaire. Médicain, hein? J'espère que tu as l'argent. J'espère que tu as l'argent. Parce que toi, quand tu arrives, tu gâtes mon humeur. Ça, c'est tu me fais plaisir. J'ai déjà eu le problème avec mon patron à cause de toi. Médicain, j'espère que tu as l'argent. Oh. Le problème même de quel patron? Je pose bien. Ça, la cour. Je mets 3. Ça, la cour, mets la cour. Le combien? Mais pour. Ouais, fais ma mamie. Mais pour 100 francs. 100 francs. Tout le bavardage là pour l'alcool de 100 francs. Ouais, Atiba, c'est toi mon ventre, c'est quoi? Tu es milliardaire. C'est quoi? L'alcool de 100 francs. Hé hé! Mais j'espère que tu as les 100 francs là. Atiba, c'est moi. Je dis qu'on se connaît. Je t'ai même mis pour 150 parce que je ne veux pas entendre que c'était petit pour que tu trouves les raisons. On se connaît. Je mets le piment ou pas? Mais c'est piment, j'ai les mal d'estomac dans les balles. Je fais quoi? Emballe. Je coupe. Tu coupes quoi? Que c'est où ce que tu coupes? Ouais. Donc, on emballe les petits pains, pas on prend sur manche. Attends, tu me manques un respect là. Ouais. Et quand je vois le hibou ici là, ça. Ouh. Mange. J'espère que tu as l'argent.
Je dis que j'espère que tu as l'argent. De qui doit qui? Tu sais où tu me dois? On ne sait pas le sujet là. Ateba, tu me fais, je te mets dans un business. Tu gères le business, tu m'envoies au vent. Est-ce qu'on parle de business? On parle du pain et du haricot normal. Et de la viande. Pourquoi tu enlèves les débats ailleurs? Oh, tu amènes les débats ailleurs, pourquoi? Je suis tensionné. Proxénète. Ça fait... Proxénète. Merde. Ça fait 1500. On m'appelle, mais si on dit non, ta soeur du quartier là, c'est le faire comme ça, c'est pas folie. Voilà. Bon, bavardage. Tombé. Ça fait 1500. Ramasse ta vienne, papa. C'est tombé sur ta main. J'ai dit que c'est tombé étant sur ta main. C'est tombé étant sur ta main. Ah. J'ai dit que c'est tombé étant sur ta main. C'était sur ma main, je donnais. Mais sur ta main, ramasse. Tu peux laver. Tu remets dans la main. Ne mange pas de boîte. Là, tu m'assois. Tu m'assois un peu du lait, tu fais. Moi, je demande des gens. Oui, assis-toi. Bavardage. Depuis que tu me parles, je ne te réponds pas parce qu'on reprend aux imbéciles pour un coup de silence. Quel monsieur? Vous deux là, vous n'arrêtez pas. Chaque temps, vous voyez ma chance dans vos corps. Le bavardage, vraiment. C'est pas? Tu as les 1500 là, parce que toi, il faut d'abord. Si c'est moi avant le bavardage là. Parce que quand tu entres ici, tu as les problèmes, après tu vas bagarrer, tu fais mon argent. 1500. Commence à compter mes pièces. Ateba, tu sais que je suis trop fâché après toi. Je ne veux pas te mettre dans une relation. Tu te fous de ma gueule. Quelle relation? Mon ami avec qui j'étais... Tu viens avec quelqu'un qui ressemble à Rachid Dey. On t'a dit que quoi? Ah bon? Tu manges son argent, maintenant tout fini. Rachid Dey. Ça, j'ai enlevé dans sa poche. Ouais, il m'a donné. Proxénète. Tu as fait l'anniversaire en 2 mois. Ça fait quoi? C'est ton problème. Tu es une escroque à te battre. Ça me tensionne. C'est lui qui m'a donné. Il était obligé. Mais en même temps, il faut aussi d'ailleurs compter l'argent. Ateba, j'ai pas l'argent. Non, il faut compter l'argent là. J'ai pas l'argent. Compte l'argent là. Il faut compter l'argent là. Ateba, j'aime pas l'argent. Je veux dire que tu es comme ça, il ne veut pas la marchande. Je dois cotiser demain, j'ai la tontine demain. Ateba, tu crois que je vais t'aider, je ne vais rien faire pour toi. Je t'ai prévenu dès le départ. Il faut connaître qui sont tes vrais clients. Toi, tu sais n'importe qui. Je dis que compte l'argent là. Ateba, ouais, c'est comment, nous coupons la petite, je suis un enfant. Tu n'as pas l'argent. Je dis que donne l'argent avant de... On se connaît, je dis que je ne veux pas... Oh. Ateba, je vais te faire une dépôt, je n'ai rien sur moi. Attends, donc... Pour payer le pain haricot, tu veux faire le dépôt. Quand tu venais ici, tu connaissais quoi? Que c'est un orphelinat? Que c'est un centre humanité où on partage à manger? Je ne prends pas l'argent de dépôt. Hein. Je veux le cash. Donc, Erika, ne commence pas. Je savais. Erika, je savais quand tu arrivais ici que c'est comme ça que ça va finir. Donne-moi mon argent. Pardon. Erika, pardon. Donne-moi mon argent. Il faut donner. Ouais. Bon, j'aime pas. J'aime pas. Pose ça ici. J'aime pas. Pose ça ici. J'aime pas. Pose ça ici. J'aime pas. Pose mon argent ici. Ateba, j'aime pas. Moi, j'appelle mon patron. Hein. Vous allez gérer ça entre hommes. Tu as le patron? Tu vends le pain haricot, tu as le patron? Ça fait quoi? Oh, la misère! Oui, j'accepte. Pain haricot, patron? Oui. Tu ne te vois pas. Donne mes 1500. Je ne donne pas. J'appelle donc mon patron. Appelle! Okay. Appelle! Tu t'amuses. Hein. Pas quand je suis. Je dis que vous allez gérer ça entre hommes. Okay. Malhonnête comme ça. Là. C'est la dernière fois que tu viens ici là. Tu viens ici là, je ne te sers plus. C'est pas pitié. Tu vas aller. Pitié de quoi, mais c'est la pitié là que tu as été de manger. Je viens t'aider, que les sourires te tuent. Je dis que j'appelle mon patron. Appelle. Malhonnête. Chaque fois que tu viens, tu donnes l'attention aux gens. Appelle. Allô, patron. Oui. Il y a un client ici qui est en train d'emmerder les gens. Il vient, insulte les clients. C'est lui qui mange plus que tout le monde. Oui. Mais il n'a pas l'argent pour payer. Moi, je ne veux pas les problèmes, j'en ai marre. Nous sommes au Cameroun. Je veux mettre des familles dans mon pays. Oui, patron. Oui, patron. D'accord, patron. Mmh. À tout à l'heure, patron. Mmh. Reste là. Je ne vais pas payer ce nom. J'ai dit que reste là, donc. Il n'est pas loin. Là, tu as un nom aussi. Il n'est pas loin. J'ai dit qu'il n'est pas loin. Tu as mis des biches. Vous allez gérer. Qui va te servir? Qui va te servir? Un homme qui porte la robe. Qui va te servir? Un homme qui porte la robe. Là, tu as un nom. Tu mets la robe sur toi. Celui qui n'est même pas marié, où il est là? Regarde ça. Qui s'est marié? Il est marié. Regarde ça. Qui s'est marié? Quel homme d'avoir la femme qui peut voir la qualité? C'est malhonnête. On peut se piquer même de voyou. Malhonnête à midi, malhonnête le soir. Remets. Attends. Remets. Voilà. Tu me bloques. Avec... Voilà mon avec... patron. Il a dit que vous allez gérer dans ma homme. Eh bien, il y a quoi ici? Boss, patron, vraiment. C'est ça ton patron. Depuis le matin, je vends, tout se passe bien. Jusqu'à ce que ce monsieur arrive, comme d'habitude, les problèmes. C'est lui qui commande tout. Il n'a pas l'argent pour payer. Non. Il me dit qu'il va me faire le dépôt. On fait le dépôt de 1500. Et j'y crois.
Dis donc, attends, c'est ça que tu as préparé. Oh, 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 tais-toi vite. Qu'est-ce que tu as vite? Il y a un moyen qui ne paye pas. Mais là-bas, vraiment les rats. Parle encore, c'est là. Serpent. Regarde, je te pose une question. Tu manges, tu ne payes pas. Dis donc, je n'ai pas les problèmes avec toi. Attends, moi. Non, non, hé, hé, pardon, pardon. Fallait que tu ne payes pas. Tu ne payes pas. Hey, c'est comme ça là. Hey, yeah. Il a mangé combien? 1500. 1500. Moutou Bela, tu as déjà le pitbull? 1600. Il doit les 100 francs de la dernière fois. 1600. Tu as fait que Moutou Bela. 1600. Ah, yeah. Attends. Est-ce que tu te. Attends, pas moi. Non, non, non. Arrête. Ça, vous faites comme ça. Oui, il faut donner l'argent. Tu as dit que tu étais non. Patron, il doit donner l'argent. Ibra, tu blagues avec mon business. Oui. On a un problème. Tu blagues avec mon business. Je savais acheter pour toi, Moutou Bela. Tu combien il paye ça? Allez, mets d'abord le chapeau là. Allez, mets ça. Oh, Moutou Bela. Tu as fait qui? Je suis ton égal. Tu combien il dépense ici? Je ne savais pas rester pour toi. Tu gonfles comme un pop-corn. Tu. Il a marqué combien encore? 1500 plus les 100 francs de la dernière fois. Les 100 francs d'en haut, allez, mets ma bouche, pardon. Allez, c'est pas. Enlève. Enlève, il faut enlever. Regarde, c'est comme mes fesses. Il faut enlever. Il faut éviter les problèmes. Enlève. Tu vas tout voir. Tu ne parles plus. Mais il dit que tu veux tout blaguer. Devant moi, tu peux pas. Regarde, tu devant moi, tu me pètes dans ma bouche. Tu veux t'excuser. Tu devant moi. Dans l'argent. Tu blagues mon business. Je ne savais pas mon appel. Je ne savais pas quoi. Je ne savais pas que c'est toi qui faisais ce qu'à tes mains. Maintenant, tu sais, donne l'argent. J'ai changé. J'ai vu comment avant qu'il tape les gens. Maintenant, il marche avec la souffrité. Tu me manques pour rester. Tu veux manger, moi, tu ne payes pas. Je ne savais pas, papa. Allez, au gars, allez avec ça. Laisse. Les poumons, il peut péter ici, là. Passe comme ça. Passe. Où le camp? Il faut donner l'argent. Où le camp? Il veut plutôt. N'oublie pas les 100 francs là. Où le camp? Passe. N'oublie pas les 100 francs là. Mais de là, Moutou Bela, tu ne veux rien, tu ne vaux rien. C'est pang de brousse. Un chasseur va te tuer. Tu as le gros bras, non? Moutou Bela, tu as le gros bras, non? C'est le pompé, petit Egui, c'est dégonf. Oui, patron. En passant, donne pour le crédit au salon. Oui, j'ai compris, patron. Voilà, et lui, il a géré sa facture. Oui, il a payé. C'est bon. Oui, patron, il a payé. Oh, mon petit. On a mis, mais quand tu veux manger, tu payes. Le business. Voilà, vois comment il marche. Quoi? Pengouin. Banque, tout ce qui est dans ton banque, c'est Wenjo. Gratuit. Marche, mon c'est Malando. Déchet. Moutou Bela, déchet de vie. Il va appeler ta mère, non? Ça veut pas un mongol de ton état, hein? En passant, tu as compris ce que tu dis, non? J'ai compris, patron. Ok, on va gérer le business. Je veux dire à ta mère au village que tu es pas perdu à tes bas. Tu travailles pour un mongol. Tu travailles pour que. Hey! Mamie, prends haricot. Prends haricot à tes bas. Prends haricot. Mais à tes bas, toi-même, tu es un patron, hein? Alors, mesdames et messieurs, tel que vous pouvez le constater, au sein de l'écurie Fingontrala, on a eu la chance de recevoir, d'avoir la présence de l'immense, aïe, son talent, c'est comme la Méditerranée, la même Méditerranée. Ah oui, Méditerranée. On ne la présente plus. En tout cas, pour moi, comme j'ai toujours dit, c'est l'ensemble de plusieurs grosses têtes de la chanson aux États-Unis, c'est-à-dire Beyoncé, Nicki Minaj, tout ça réuni. C'est en elle, quoi. Coco, c'est vrai, voilà. C'est vrai, tu as bien parlé. Alors, donc, vraiment, Coco, les mots me manquent. Si j'étais un Européen, comme le blanc, si je devais sortir mon mouchoir, pour faire. Mais sincèrement, vraiment, de Dieu, j'ai été marqué de par ta présence, ta simplicité, ta manière d'être humble, ne change jamais vraiment. Au nom de mon écurie et moi, nous te disons grand merci. Continue pareil. Vraiment,
Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Nick, j'ai été impressionné par le jeu d'acteur. Pourquoi j'entends, je voulais parler, mais les mots me manquent comme je n'ai pas acheté le dictionnaire, donc je ne peux rien dire. Mais tout ce que moi, je veux dire, c'est je t'aime beaucoup. Elle va te contaminer, mamie, bon, bon. Alors pour moi, ça a été un honneur de travailler avec votre magnifique équipe. C'est vrai que vous me faites tellement rigoler tout le temps. Et voilà, non. Si c'était à refaire, je le referais, non? Quand il y aura le tome 2, vous me rappelez. Aïe, 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 aïe. Très, très bientôt, très, très bientôt, vous serez servi. Le El Philomène, non, le El Pichin, non, le El. Mais cette fois-ci, il faudra payer avant d'être servi.